siamo sulla strada principale del quartiere di Potopoto e ed si chiama il Viale della Pace. E prima la scuola di Potopoto era circondata da una gran vegetazione, tant'è vero che non si vedeva nemmeno l'edificio della scuola. E adesso c'è ancora uno o due alberi, ma un albero altissimo che si può vedere da tutta la città, in effetti. Allora quando dicono dov'è la scuola, puntano a questo albero altissimo. E meno male che l'UNESCO hanno ricevuto, è sotto la protezione dell'UNESCO, la scuola, non perché l'edificio sia particolarmente speciale, ma proprio è la scuola stessa che è protetta dall'UNESCO, cosa importantissima. J'étais avec papà une fois, on était en train de parler et brusquement il a commencé à parler de l'arbre. Il a regardé l'arbre. Il dit, tiens, ben, il est devenu si grand. Hein? Il était tout petit là, les années 50. Alors, aujourd'hui, il est très, très, très grand. Alors, est-ce que tu sais, mon fils, cet arbre-là, c'était très maigre, il s'était comme ça. Et quand il y avait la pluie, quand il y avait le vent, ça tombait. Et je le récupérais. Et je plantais une planche comme ça, et je prenais un fil, j'attachais autour de cet arbre pour qu'il ne tombe pas. Mais à chaque fois, ça tombait. Voilà, aujourd'hui, il est très très grand. Aujourd'hui, cet arbre figure parmi les arbres les plus grands de Brazzaville. On peut regarder l'école de peinture de loin, de partout dans la ville, à partir de cet arbre. C'est à peu près le toit de Brazzaville. On est arrivé à la maison de Sylvestre. Comment le voyage, ça a été très bien? Bonjour. Bonjour. Elle est la heureuse femme de Sylvestre. Oui. On m'appelle Mangwanza Sylvestre. Je suis né en 1961, le 7 juin, dans la région de la Cuvette, dans le district de Moussaka. À mon jeune âge, j'ai été chicoté, hein, vraiment chicoté par papa. Pourquoi? Souvent, sur les murs, je prenais des charbons, je dessinais. Je dessinais. Et dans les classes de CM2, donc, quand on commençait à étudier l'histoire, les royaumes, quand le maître me parle à l'école, moi, au lieu de lire le cahier, je préfère venir reproduire le roi Makoko, Pierre Savorio de Brazza. Quelque part, les gens pensaient qu'il n'y avait pas des artistes africains. Si! Il y a Demoko Gaspard, il était camerounais, qui peignait très bien des portraits. Mais pour Pierre Lotte, ce n'était pas ça. Il dit que ça, c'est un art européen. Ça n'a pas de sens que moi, je connais l'art européen, toi, Africain, connais l'art européen, mais tu n'arrives pas à faire votre art. Donc, la contradiction entre Pierre Lotte et ses artistes, comme la contradiction entre nous, des peintres de Potopoto actuels et d'autres artistes. Il ressort d'une école des beaux-arts, l'Académie des beaux-arts. Il ne peut que peindre sur modèle, avec modèle. Mais nous, c'est une imagination spontanée qui quitte ou qui quitte de notre corps et il sort. Tu vas prendre le pinceau et puis tu viens dessiner. Coucou. Pépé va prendre le pinceau. Coucou, ta mère. Voilà, tu laisses là-bas. Alors, tu vas dessiner où? Tu dessines ici. Regarde. Pépé. Coucou, prends le pinceau là. Voilà, voici mon pinceau. Moi, je vais dessiner ici, regarde. Allez, prends pour toi, tu vas dessiner.
Donc, tu ne connais pas dessiner? Moi, je dessine pour moi. Moi, comme je disais que, compte tenu du projet que vous nous aviez soumis, je ne suis qu'une grenade qui est déjà décrochée. Il reste de... Donc, mon esprit date déjà de 98, parce que je suis arrivé ici en mai 98. Je disais que pourquoi pas de pouvoir faire une histoire d'un peuple quelconque. Le peuple que j'ai choisi, c'est le peuple Téké. Parce que pour moi, j'ai constaté que les Tékés ont encore une civilisation qui vit. Comme je n'ai pas, comme j'ai beaucoup de la peinture, je vais vous le montrer. Voilà. Voici ma peinture. Parce que tellement affamé, je suis obligé. Je suis obligé de déchirer comme si c'était la peau du crocodile. Pour... Le monde est formidable. Hein? Il faut faire du bien à quelqu'un et tu seras fortement récompensé. Je suis de mon vrai nom, Iloy François Jacques. Iloy, ça veut dire Iloki, parce que j'appartiens au même moment de la région de la cuvette et des plateaux, donc on appelle différemment. Donc Iloy, c'est Iloki aussi. Je suis né à Potopoto, dans le quartier Potopoto, le 22 juin 1962. Alors, mon enfance, j'ai grandi, j'étais timide, je ne parlais pas beaucoup, mais je dansais bien et je jouais bien au football. Au même moment, je dessinais par terre, je dessinais sur les murs, on griffonnait un peu partout. Le plus souvent, quand je dessinais, je dessinais des gens dans la classe, je dessinais le maître et quelquefois, on me tapait par le maître. Quelquefois, les amis voulaient se battre avec moi parce que, selon eux, c'était une manière de se moquer d'eux. Donc, j'ai eu des problèmes à cause de ça. C'est à l'école, c'est au collège que mes idées, mes ambitions de peintre ont commencé à grandir. Parce que je visitais l'atelier de papa. Quand on était à Potopoto, au quartier Potopoto, on partait devant les devantures de cinéma, on dessinait, on reproduisait les programmes de cinéma. J'avais déjà tourné la tête et je voulais percer dans l'art. Alors donc, j'ai continué à imiter papa. Moi, j'ai dit non, papa, moi, je peux devenir peintre, je suis patient, j'aime ça, je n'aime que ça. Sans ça, je ne vois pas qu'est-ce que je peux faire. Je m'appelle Deson Serge Loge. Je suis né le 22 janvier 1967 en Pouya, dans une région de plateau, très précisément à la circonférence du royaume Téké. Et j'ai grandi auprès de mon oncle maternel, où j'ai suivi mes études primaires et secondaires. Après avoir arrivé à un âge donné où je me sentais, j'étais plus embêté par l'esprit artistique, j'ai rompu mes études pour suivre ce chemin artistique. La zone Bantou, au contraire, la zone la plus vaste, c'est la zone Téké. C'est le royaume le plus répandu de l'Afrique, et qui par contre, vous savez bien l'arrivée de Savonneur de Brazza, il a passé par le Rome à Coco pendant ce temps. À cette époque, il y avait l'opportunité de puissance traditionnelle. Donc le roi le plus puissant
de nos nobles traditionnels. Mon nom, c'est Maungu Laetitia Cole. Je suis née le 26-06-82 à Brazzaville. Mais moi, je suis orpheline de père et mère. Alors, je voudrais bien réussir pour que je réalise ce que j'ai dans la tête. C'est comme si Dieu avait envoyé ma soeur d'aller m'inscrire là-bas. Pour moi, l'école de peinture en sonnette, maman, c'est comme si c'était un départ pour mes rêves. La preuve en est que je ne faisais rien du tout. Et arrivé là-bas, en 2 ans, 3 ans déjà, je vends des œuvres, je fais beaucoup de choses, je me fais connaître. J'ai voulu montrer à tout le monde comment est-ce que la femme africaine pouvait, à moitié nue, comment est-ce qu'elle devait être. Parce qu'on pouvait se mettre des idées que non, c'est, la tête est marron, peut-être au niveau de son bas-ventre ou bien au sein, au niveau des seins, c'est noir ou bien c'est vert. J'ai voulu mettre un peu à moitié nu pour qu'on puisse avoir une petite idée que le marron est partout. Le but de la coopérative ou de l'association, c'est de développer les premières idées de Pierre Lode, de poursuivre le travail de Pierre Lode, de défendre l'école d'une manière ou d'une autre, et puis l'entraide des artistes, c'est surtout ça, l'unité des artistes. Donc l'association fonctionne selon les ventes des œuvres. Donc les 70% pour l'artiste qui a produit l'œuvre, et puis 30% pour l'école. Donc on peut prendre une partie, on fait les courses de l'école, on garde un peu, et puis s'il y a un reste, on peut aussi donner aux artistes. S'il y a vraiment un lieu ici où il y a le fair play, c'est chez nous. Parce qu'il y a eu des problèmes, jamais de déchirement, surtout pour les sous, parce que les gens, pour l'argent, il y a des gens qui se déchirent. Mais on a eu des grands problèmes d'argent, on est toujours resté unis. Donc c'est notre première famille. Les amis de l'école. Donc si on a un problème aujourd'hui, les premiers à venir au secours, c'est les amis de l'école, c'est la plus grande famille. Mais la famille, la vraie, viendra après. Je m'appelle Paul Gerly. Je suis né en 1962, plus précisément en Gabé, la région du Pôle. J'ai commencé mes études dans cette localité. Et quand j'ai commencé mes études, je me suis arrêté en classe supérieure, en troisième, quand j'ai arrêté mes études. Et là, c'était en 1980, la date à laquelle j'ai fait mon éruption à l'école de peinture de Potopoto. À cette époque, j'avais encore 18 ans. Bon, moi, je veux définir l'école de peinture de Potopoto, c'est un monument. Hein, c'est un monument. C'est ce qui a fait que nos mémoires soient quand même épanouies par-ci, par-là. Donc, pour moi, l'école de peinture de Potopoto fait partie vraiment des monuments congolais. Hein, parce qu'elle a aidé beaucoup de monde. Pour moi, je peux dire que c'est ma mère et mon père. Ma peur a toujours été qu'un jour, l'école tombe entre les mains de l'État et qu'on fasse autre chose avec. On a toujours peur de ça. Parce que l'on veuille ou pas, ils peuvent, les hommes politiques, ils peuvent décider et transformer l'école, faire autre chose à la place. Parce qu'à l'époque, le directeur Onongo, qui est le cousin de papa, il voulait se battre avec un gendarme parce qu'on voulait installer la gendarmerie là. Nous défendons des idées de Pierre Lode. Bien que ça a évolué, ces idées, parce que partout il y a toujours eu évolution dans chaque chose. Aujourd'hui, on a d'autres styles, mais les styles se sont développés à partir des idées de Pierre Lode. Parce qu'il laissait à tout le monde le temps de peindre. Il n'enseignait pas la peinture, mais il laissait la liberté à ses élèves de faire ce qu'ils veulent. Et lui, il suivait les couleurs, les formes. Et voilà, non, ne faites pas ça, ça c'est bon. Et on a peur aujourd'hui aussi
que l'État nous amène d'autres artistes, des autres ateliers, pour venir, pas pour venir défendre Pierre Lorde, mais pour venir chercher à vendre les tableaux. C'est ça ce qu'on a peur aussi. Et notre troisième peur, c'est que les enfants d'aujourd'hui, ils n'aiment pas le travail. Ils n'aiment pas la culture. Et moi, on m'appelle Opou Adam Rolien. Je suis né le 8 avril 71 dans la capitale de Djambala, pratiquement la région des plateaux, au nord du pays. Et l'école de peinture de Poto-Poto, quand je suis arrivé en 86, j'ai trouvé les doyens qui ont, parmi lesquels il y avait M. Ondongo qui était directeur, qui était parmi les premiers à travailler avec Pierre Lorde, fondateur de l'école de peinture. Alors, j'ai trouvé tout le monde unanimement. J'étais collé comme ça, serein. C'est-à-dire, on ne pouvait pas comprendre qui est qui, est-ce que c'est des frères de même père ou de même mère. Mais non, alors que c'était des gens, ce n'étaient pas tous des Congolais. D'autres venaient de Kinshasa, d'autres venaient de la Centrafrique, du Cameroun. C'était comme ça, comme on appelait l'atelier d'art africain. Alors j'ai trouvé à l'école de peinture de Poto-Poto cette union de coopérative. Et nous avons maintenu, et nous sommes arrivés, nous avions ajouté dans la coopérative, nous avons fait l'association de l'école de peinture de Poto-Poto pour mieux défendre, parce qu'on voulait vraiment nous balayer. À l'époque, ce n'était pas cette politique que nous avons. Et aujourd'hui, cette politique moderne essaie un peu d'étouffer la politique spirituelle, qui est donc cette politique traditionnelle. Alors, c'est à partir de là, je dirais que